Eh bien, bonjour à tous, j'espère très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Radical Red, le post-game, épisode numéro 6. Déjà numéro 6, et oui, déjà numéro 6 du post-game, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait connu un bug très regrettable lors du combat contre Amos, puisque tous ses Pokémon étaient au niveau 1, à l'exception de son Terra, qui a rendu le combat complètement... ce qui avait annulé le combat, littéralement. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs, mais bon, qu'est-ce que je vous dis, hein, c'est... Malheureusement, les aléas de la run au Paranifère. Je sais si d'autres gens auront eu ce bug-là. Mais en tout cas, c'était bien chiant, en espérant que ça ne se reproduise plus. Ensuite, on avait combattu Blanche, hein, qui nous avait un peu... on avait galéré contre elle, hein. Le style inversé était chiant. Du coup, on avait bien galéré. Et du coup, on avait du coup fini par gagner. Elle nous avait donné un Mélodelphe avec la lumière du néant. Et Amos nous a donné un Terra avec Rapace. Voilà, voilà. Pour l'épisode précédent, aujourd'hui, on va continuer le jeu tranquille. Ah oui, j'ai un peu XP ma team en off. J'ai mis tout le monde niveau 95. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. On s'approche du niveau 100, mine de rien. On s'approche du niveau 100. Il me semble que j'ai tout visité, hein, si je m'abuse. Hein. J'ai visité ça, hein. Je sais plus. Oh, j'ai visité. Hein. Ok, bon, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un combat. Ah oui, il y a eu un combat de starter. Ah, c'était chiant ça, je me rappelle. Ah, l'épisode d'avant était chaotique, hein, l'épisode d'avant était chaotique. L'épisode d'avant était chaotique, on espère que ce soit pas le cas. Wish please. Ok. Par rapport à Dynamax. Bref, on continue le jeu. Qui c'est que je mets en premier du coup? Là, à l'heure actuelle, c'est Azumarill, mais est-ce que je changerai pas de Pokémon? Est-ce que je mettrai pas Elekabl en premier? Moi, j'ai bien envie. Voilà. Le Cap Brink. Ok, donc là il faut cascade. Un Araquanid. Attendez, niveau Pokémon du coup. J'ai pas rencontré tout le monde, hein. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Oui, il y a vraiment des formes d'issue ici. Ok, ok, mais c'est bien. Mais non, mais. Ok. Ok, d'accord, ok, bon. Mais du coup, c'est tout? Genre, il n'y a que ça? Ah oui, Fragiladi de d'Issui. Je l'ai affronté il n'y a pas très longtemps. Du coup, je sais que c'est la fin d'Issui. Oh, ouais. Je vois, je vois. Donc là, il y a électrode d'Issui. Je pense que c'est électrode d'Issui. Okay. Bon, on va aller dans cette maison, bien sûr. Je vais quand même voir ce qu'il y a dans les herbes. Le sécateur, ok. Encore un Pokémon que je connais pas, mais ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il y a quelqu'un qu'on connaît, peut-être? Non, toi, c'était qui? Je suis capable d'apprendre un très puissant, une très puissante attaque oubliée. Ouais. Dark Hole. Ok. C'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Tyrann aussi, bon. En vrai, c'est un bon lead étant donné que j'ai close combat. Hein. Faut pas se mentir. Ou si tu veux. Allez, je pense que le petit close combat là. Ah, pas forcément. Mais en vrai, ça va quand même faire très mal. Hein, donc, il y a peut-être même moyen que ça one shot en vrai. Après, Tyrann va quand même bon buff, t'as pas déconné. Mais les câbles tapent très fort. Donc, à voir. Ah, ça tue, voilà. Hein. Ouais. Ça tue, hein. Sans nul doute. Voilà.
Parfait. Ok, donc c'est méga Absol, je pense. Méga Absol, vous dites. En vrai, les câbles à un match-up bon, hein, mais le problème c'est que derrière il va se faire one shot. Ou alors je fais Mac Punch et derrière je. Ouais, je pense que je fais ça. Ok, donc du coup, c'est quoi, c'est Mono Ténèbres qu'elle a ? Si c'est Mono Ténèbres, j'aurais peut-être pas eu tout... j'aurais peut-être pas eu intérêt à sacrifier les câbles de la sorte. Mais... Ah non, il résiste, ok. Il est de type fée. Ah bah oui, ils l'ont mis Ténèbres fée du coup. Ténèbres fée, vous dites. Ténèbres fée, du coup, c'est un bon bail pour Mux. Ténèbres fée. On va taper le petit poison jab qui fait plaisir. Là. Et lui, il fait qu'il y a une énergie qui est stabée, bien sûr. Qui va faire mal, hein, du coup, hein, bien sûr. Les dégâts sont absolument scandaleux, mais bon. Comme ça. Ok. Après, c'est pas parce qu'il y a un Pokémon qui a déjà méga que c'est fini. Hein. Il peut y avoir plusieurs méga évolutions, malheureusement. Ah, c'est une forme d'Arceus ? Enfin, c'est une forme de Jean d'Arceus, ça, ou c'est une forme inventée ? Je ne l'ai jamais rencontré, en tout cas, pour l'instant, dans le jeu. Intéressant. Intéressant. Je pense qu'il est très rapide, pour tout à fait franc. Est-ce qu'il est plus rapide que Mega Mewtwo Y ? Je pense qu'il est glace, hein, à mon avis. Aérotir, ok, bon, bah voilà. Et alors, vous voyez Dragon ? Hydreigon. Ok, donc c'est vraiment une mono ténèbre, hein, pour le coup. Hein. Ok. C'est bien une mono ténèbre. Hein. Le Fire Blast qui part qui va faire absolument aucun dégât, hélas. Je pense pas qu'Ice Beam tue. Donc on va switcher. On va voir Azumarill qui est une réponse, somme toute. Non. Je pense que c'est pas le bon bail d'envoyer Azumarill. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'en ai besoin. J'ai besoin de lui full vie, je pense, pour gérer certaines menaces. Donc il fait Dark Hole. Et l'attaque dont on a parlé avant le combat. Très bien. Les dégâts vont être absolument scandaleux. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, il orbe vie, votre pote. Ok, donc du coup, là, je pense que cependant, je pense que Ice Beam tue, là. Donc on va le faire. Je suis quand même méga Mewtwo Y, hein, faut pas déconner. Ouais. Dark. Alors Darkrai, c'est extrêmement dangereux pour le coup. C'est extrêmement dangereux Darkrai, je vais taper un gros déflagration sur lui. Parce que ça fait trou noir, ça se booste, c'est chiant. Enfin Dark Hole en fait il va faire pour le coup, voilà. Ah mais Dark Hole ça doit être très fort avec Darkrai en vrai. Heureusement que j'ai Darumacho derrière, quoi. Il va pouvoir revenge kill. Et il a tenu. Il a tenu, ça a pas endormi. Oh. Bon, du coup, je fais Ice Beam. Ok. Et niveau 96 pour Mega Mewtwo. On s'approche des niveaux 100, mine de rien. On s'approche des niveaux 100 à grands pas. Ok, il renvoie le fameux Sneasel qui va. C'est question de priorité d'ailleurs. Hein. Voilà. Ah non, il est plus rapide que moi, what the fuck? Ah mais non, c'est Zoroark. C'est Zoroark, c'est ça? C'est de Zoroark. Mais oui, c'est Zoroark. Mais attendez, Zoroark est si rapide que ça? What? Je sais pas, c'est bizarre. Qui est plus rapide que moi, malgré le mouchoir choix.
A mon avis, il est sûrement Scarf, c'est pas possible autrement. Ou les dégâts par contre. Ouais. Oui, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est logique. Et je vais taper. Liquidation, en vrai. Le problème, c'est que Shadow Ball va faire très très mal. Non, ça va. Est-ce que Liquidation plus à quoi jette-tu? Ouais, juste Liquidation tu. Ok. Très bien. Et du coup, là, c'est le vrai Sneasel qui va se prendre son Kalinry Z. Mais je vais mourir avant, donc c'est dur. Le problème, c'est que je meurs de Flare Blitz, là, non? Est-ce que je meurs de Flare Blitz? Je sais pas. Faut tester. Ah bah c'est ok, bah il résiste. Il résiste à Flare Blitz, donc ça tuera pas. Ah si. Ça a tué. Est-ce que je meurs? Non. Non, ok, nice. Ça s'est joué à un cheveu, hein. Beau match. 440. Ok. Il n'y a que Buck qui peut la prendre, mais du coup, je suis curieux. Je veux juste savoir la. Ouais, 100, ok. Peut-être un autre jour. Ok, bah c'était intéressant, c'était cool. Combat compliqué. J'aurais pu mieux gérer, mais bon. Donc Sneasel résistait à. Sneasel résistait à Flare Blitz. Enfin, il était neutre, quoi. Enfin, c'est intéressant, en vrai. Hein. Quel type ils l'ont mis, du coup? Attends, je cherche la carte. Allez, là. Et d'accord, c'est vraiment très très court pour le coup. La deuxième île. On va se rendre à la troisième île, du coup on est à combien de temps? 12 minutes, ouais. Go la troisième île. Et c'est parti. Qu'est-ce que la troisième île nous réserve? Mystère. Parfait. Et qui es-tu, colis de police? Ok. Apparemment, ok. On va rentrer ici. Ok, pas de Pokémon. Et juste ce mec. Tu veux pas commencer, tu ne peux pas commencer à imaginer de savoir comment je suis heureux. Je vais te montrer pour toi. Ah, tu ne veux pas de l'or? Ok, ça c'est cool. Ok, donc du coup, là, il y a des Pokémon ici, mais c'est qui ça? Ok, j'ai déjà pratiquement tout rencontré, sauf... Sauf un. Donc Goudra, on connaît, et Acier Dragon. Corviknight, ouais. Smergle, ouais. Sandaconda, ouais. Ok, bon, j'ai rencontré tout le monde, du coup. Il y a aussi que l'amiral 18, tiens, c'est marrant. Ok.
Retourne à Kanto maintenant. Ah. Notre gang de suiveurs. Ok. Look at this place. Tu devrais nous remercier pour faire vivre ce village endormi. Si tu insistes, si tu insistes, tu peux essayer de nous faire partir. Bon, apparemment, on va devoir les chasser, ça. Il y a personne ici, ok, très bien. Ok. Ok. Du coup, c'était quoi, ça va être des mecs qui vont avoir des types poison et compagnie, c'est ça? Des types poison et compagnie, je pense que l'Andorus c'est pas mal. Bah, on va aller de l'Andorus. En vrai. Ok. Ah ok, donc c'est des combats de boss qui vont s'enchaîner. Par contre, si ça s'enchaîne, ça, c'est pas ouf. Hein. Oh non, il a que deux Pokémon. Overkill. Est-ce que t'es plus rapide que l'Andorus, toi? Je ne sais pas. J'espère pas. Si. Ok. Buffet sabotage, en vrai, c'est pas très dérangeant. Par contre, les dégâts sont un peu violents. Est-ce que Séisme me tue? À moins 1, je suis pas sûr. Hein. Donc, comme prévu, c'était bien les types poison. Hein. Pour ça, pas de problème. Ok, il fait cascade, hélas. J'aurais pu l'anticiper. Hein. J'aurais pu l'anticiper. Je pense que j'ai. Ah oui. Non, mais. Ah oui, du coup, il s'est fait intimider. Ok, ok, ok. Je pensais que ça tuait. Eh bien, non. Bah, tant mieux. En vrai. Et Dusk Noir qui est là. On va U-turn. Est-ce que Muk gère bien Dusk Noir probablement. Après ça se trouve il a séisme mais là c'est le drame. Et Shadow Punch. Je vais taper un gros sabotage. Je crois que je suis plus rapide que lui. Hein. Oui. Est-ce que sabotage tue? Je pense pas, mais bon. Ouais, voilà, ça. Il tient. Il avait pas d'objet. Ah, si. Reaper Claws. Ah, Dynamic Punch. J'ai évité. De toute façon, tous les quatre étaient morts du poison. Donc, ça n'aurait pas eu d'assinance, à part le fait que j'aurais été touché. Donc, si, en fait, ça en aurait une. Ah, qui est ce gamin? Putain, si on doit tous les enchaîner, ça va être un problème. Moi, je vous le dis. Ah, c'est un combat duo. À l'aide. Évidemment, je suis pas soigné. Donc, ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Bon, en vrai, ce qui est cool, c'est que je one-shot Flygon avec Ice Beam, normalement. Je pense que je vais taper un gros demi-tour sur le Grimmsnarl. Et je vais méga bien sûr taper Ice Beam sur le Libégon. Alors Grimmsnarl doit être farceur forcément. Voilà. C'était prévisible. Je meurs? Non. Eh ben non. Grâce à l'intimidation, je meurs pas. Ça c'est beau. On va envoyer Muk. Normalement, après si Mewtwo attaque. Ok, c'est bon. Ou tu meurs, hein. Pas de doute là-dessus. Adieu, Libégon. Ok.
problème, si on doit, tous les enchaîner, ça va être compliqué, je pense, quand même. Ok, donc c'est H et Cutter. Le voici, le voilà. On va taper un gros poison jab sur Grimmsnarl et on va... Upside Strike, écoutez, non. Est-ce que je switcherai pas par hasard? En vrai, Mega Mewtwo me sert à rien. Je pense que je vais juste... Ouais, fais ça si tu veux. Ok, donc je pense que Mewtwo Y est mort. Là, ça dépend de l'attaque de H14, je la connais pas, je vous avoue. Ouais, non, il y a pas de... coup critique. Et le Poison Jab qui part, qui va tuer. Donc, Insecte Roche, je vous ai dit, hein. Niveau 96, petit à petit, ça grimpe, ça fait plaisir. On approche du niveau 100, vraiment, pour le coup, là. Donc, Insecte Roche... Bah, Zumari le gère, normalement. Zumari le gère. On va Knock Off. Et on va Liquidation. Ok, le Lame de Rock qui part, qui va faire beaucoup de dégâts sur le Muk. Le Muk va prendre cher. Ça va. Ou les dégâts vont pas être ouf, mais bon. Ouais, quand même, hein. Pas mal. Ok, est-ce que ça tue? Ça tue pas, de toute façon, j'ai Aqua Jet. Ça tue, ok, parfait. Ça aurait été mieux que ça tue pas, comme ça j'aurais récupéré un tour de boue noire. Stop fooling around. Je suis totalement pas cool, il vient de me dire. Merci lui. Nous avons invité le boss ici, mais tu déranges quand gros. Tu nous déranges. Ouais. Par contre, j'espère que je vais pas avoir qu'il va pas y avoir full combat et que derrière on affronte le boss parce que sinon je pense pas que je gagne. Hein. Au bout d'un moment, sans vouloir mentir les gars, je suis pas trop serein quoi. Vous voyez? J'ai pas d'attaque. Mon seul attaquant sur le spécial, il est mort. C'est triste. Du coup, le Avalug, je le gère pas. Il fait Ice Shard. Il fait Ice Shard, votre pote. Ah, du coup, je tape gros close combat. Hein. Mais ça ne tuera jamais le Avalug, quoi. Ah, si. Ah non, bah non. Ouais, il faut qu'il sache. Ok, Guéri-Aigle. Allez. Faut plus vivre violent. Hein. Merci à lui. Putain, les dégâts sont énormes. Oh là là. Quoi? Oh. Et par contre, s'il y a un autre combat derrière, je lose. Hein. Et d'ailleurs, celui-là, je suis même pas seul de le gagner au passage. Il vaut 97 pour Azumarill. On me revoit Valuk si tu veux. Voilà. Ah, ok, les roches. Ou sol. Sol glace peut-être. Écharpe d'eau. Ok, méga tout de suite. Voilà, j'ai plus que d'Armalitan, non? En fait. Donc s'il y a un autre combat, bah j'ai perdu, hein. Que ce soit clair, hein. Je gagne jamais là. Je gagne jamais. C'est sûr, c'est un que je gagne jamais là. Moitié flamme.
Ah, je gagne jamais, hein, c'est sûr. Ok, le close combat, bon. Est-ce que je tiens? Je pense pas. Bah, ok, super, il suffit juste que quelqu'un résiste à séisme dans l'eau et c'est fini, quoi. Par contre, si je dois réaffronter les 4, je pète un plomb. Ah oui, en même temps, vous voulez que je fasse quoi? Super, bah merci le jeu. Là, c'était infaisable, hein. Par contre, non, par contre, ne me dites pas. On va devoir réaffronter les 4. Ne me dites pas ça. Oh la vanne! Genre, faut réaffronter les 4. Donc ok, c'est Coolfish le premier. Coolfish, on va le gérer, je pense, avec les câbles, hein. Qu'est-ce que je dis, hein. Essayez en tout cas. Ok, ça fait 0. Merci à tous. Bah, Mewtwo en vrai, Mewtwofish, oui. En fait. Il va être géré avec Mew. Ah, mais non, il est ténèbre du coup, ce Coolfish. Est-ce qu'ils l'ont mis ténèbre? Oui. Il est quoi? Il est ténèbre. Ténèbre haut, c'est ça? Non. Il est poison parce que c'est, il se reste super efficace. Du coup, il est quoi? Poison ténèbre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Poison ténèbre, ouais. Je pense que c'est le bon type. Poison ténèbre. Bah ouais, en même temps, j'ai pas le choix d'envoyer, pas d'autre choix que d'envoyer l'Andorus, là. Sympa, en tout cas, ce challenge à la con, là. Sympa, hein. Vraiment très sympa, j'ai adoré. Ouais, c'est bien. Bah oui, bah forcément, là, je vais me faire paralyser comme une grosse merde. Ouais, hein. En gros, là, il faudrait qu'il rate KG Claire. Hein. Après, je suis en train de réfléchir, est-ce que un Pokémon que j'ai en réserve ne ferait pas l'affaire dans l'histoire, là. Genre Scizaiox par exemple, est-ce que Scizaiox pourrait faire quelque chose? M'étonnerait, mais bon. Ah, mais c'est quoi? C'est 100% de flinch, c'est ça? Les flinch, deux fois sur trois, il est flinch, quoi. C'est bon, quoi. Stop. Oh, mais c'est trop. C'est abusé, là.
quand même incroyable, hein. De fuck, hein. On va Ice Beam. Ah, c'est bien. Je vais Liquidation le Cleaver. Et je vais switcher, je pense, sur Lando. Ouais, vas-y, fais ça. Voilà, c'est bien comme ça, c'est parfait. Et là derrière, Gomuk. Hein. Là je fais Aqua Jet. Et toi tu vas te prendre ton gunshot. Tu vas pas faire chier quoi. Et niveau 97 pour Muk. Évidemment il y a l'effet du reflect, donc forcément merci à tous quoi. Je pense que là, je vais anticiper la T-Wave et je vais Poison Jab. Ah putain, il fait Spirit Break. Bon. J'ai voulu. Je me suis dit peut-être qu'il va recage éclair, mais non. Ok. Niveau 98 pour Azumari là, lol. Le problème c'est que. Ok, donc lui, on a vu qu'il était Roche. Sol. Non, glace sol, pardon. Glace sol, du coup, il prend toujours cher sur déflagration. Tiens. Voilà. Ça tue ? Non, mais au secours. Ok. Il a évité Hurricane, ça c'est peut-être ma chance du coup. Et le dernier c'est qui déjà? Ah oui. Au Charpedo, ça va. Ok, il doit avoir une attaque poison. Ok. Le problème c'est que là je suis dans une position où... Après je crois qu'il est câble, il est pas mort du coup. Donc si les câbles n'est pas mort, peut-être que... Il a Emboar en premier déjà. Emboar, ça va être chiant à gérer. Je pense que je vais à Quadjet. Voilà, j'ai bien fait. Cela va sans dire, j'ai bien fait. J'envoie les câbles du coup. Et je vais taper un gros Plasma Fist. Et il retire. Non, pas un type sol, je t'en supplie. Ok. Ah si, il est type sol lui. J'en ai plein le huc. Du coup, je vais switcher vite fait. Et quoi, il s'il te plaît. Non, oui, c'est bien, vas-y. Ouh. C'est bien vite fait, hein. Soit flinch, s'il te plaît, ce serait cool. Un petit flinch, là. Mais ça tue, ok, bon, super. Ok. Évidemment, il renvoie Rotiflamme. Mais bon, il va être flinch, donc ça va. Le mec, il croit c'est 10 pour dérêter. En vrai, si les flinches, ça passe, hein. Oh là 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 là. Incroyable. Merci à tous. Ok. 97 pour les câbles. Goudra qui va prendre neutre sur Icicle Crash, du coup. Bon, je pense que c'est le 2 HKO assuré, quand même. Voilà. Oh là 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 là, c'est honteux ce qu'on est en train de faire au jeu. Mais après tout, le jeu nous fait tellement souffrir depuis l'épisode 1 du Let's Play, même sur la 2.0, que franchement, il mérite. Parce que tout à l'heure, Cascade par exemple, quand ça a clinché plein de fois, c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est win hein, du coup, parce que Lucha ne tient jamais un acide crash. Bah voilà. Qui a dit que c'était dur? Personne. C'est juste de flinch tout le temps. C'est win. Non. Ok. Très bien, assez.
nous allons partir comme tu le souhaites. Nous sommes contents de voir pour la dernière fois cette île ennuyeuse. Eh bah, c'est bien, casse-toi. Ok, bah c'était bien chaud, hein. Ce serait c'est fantastique si quelqu'un aussi fort que toi habiterait ici. Ok, cool. Non, pardon, l'hostel, et toi. Et toi, du coup, t'as quelque chose à me donner, peut-être? Ok. Mais écoute, on va s'arrêter là, l'épisode est long, pas long. En vrai, il y aura eu, je pense qu'il y aura des coupures, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. La prochaine fois, du coup, on continuera l'exploration de l'île. Hein. On a encore toute cette partie-là à visiter et on continuera du coup pour voir ce qui se passe. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas s'il y a une seconde ligue ou si le jeu va tout simplement s'arrêter. Je ne sais pas. On verra tout ça, je suis curieux, en tout cas, de le savoir. Les gens, et j'espère que vous aussi, sur ce, bye tout le monde.